j'arrive devant le cachet, j'en perds pour un sang. Il y avait beaucoup de gars, mais on dirait qu'il y a des gens qui en disent. Et maintenant, tu vas, mais tu n'arrives pas à réenclencher les têtes d'accueil à la conduite là. C'est d'accord, pour lui de courir ou de s'y rapprocher. Vagabondu, lui, il va recourir le prix du Calvados. Dimanche, il revient sous la selle. Comment a-t-il récupéré de sa coupe interrégionale? Bah, le cheval a décompressé. Hein. J'ai fait l'erreur de courir à 8 jours. Il n'avait pas du tout récupéré après le prix de Chenonceau. Il s'était baladé. Voilà, maintenant, on affronte les bons vieux. On a la jeunesse pour nous. On va peut-être avoir un peu de fraîcheur. Maintenant, le cheval en condition est parfait quand même. Maintenant, on va courir avec une chance. Qu'est-ce qui t'a incité à le courir, ce prix du Calvados? Au papier, ça s'est quand même creusé. Le cheval n'a rien du tout au programme, à l'attelage, comme on montait de bien. Donc, c'est les vieux maintenant, ils prennent 5 ans. Donc, faut tenter. Hein. On va tenter, on verra si on a raison de tenter ou pas. Maintenant, je vous dis, l'opposition est bonne. Hein. Faut pas. Il y a Ulysse. Il y a Singalo à 25 mètres, mais bon, le cheval, sur sa dernière performance autrement dit, il a une belle carte à jouer.